Maintenant, la suite. Alors pour moi, c'est une page qui se tourne pour ma carrière politique, probablement une fin qui arrive. Et puis je suis jeune, j'ai 35 ans, donc ça délie aussi les cordons du corset politique, ça ouvre des nouvelles possibilités. Par contre, les valeurs et mes convictions restent au même endroit et je les emploierai différemment. La politique n'a jamais été une fin en soi pour moi. Même s'il y a évidemment une déception d'être... quatrième, on me dirait que là, c'est pas au pied du podium parce qu'il faut être sur les deux premières marches, mais évidemment quand même une déception parce que lorsqu'on est au deuxième tour, bah, on a envie d'y croire, on se bat pour et puis voilà quoi. Vous y croyez ce matin jusqu'au bout? Vous avez cru à cette élection? Ouais, je crois que si vous n'y croyez pas, faut pas faire de politique. Quoi. Je veux dire, lorsque vous engagez, c'est parce que vous y croyez. Le ticket d'homme, justement, sexagénaire, élu à Berne, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis ravie que Mauro Poggia soit élu, vraiment. Ça, c'est, je dirais, mon... Ce qui me console, c'est de me dire que voilà, on a réussi à faire en sorte qu'une personne de centre-droite passe. Je pense que d'ailleurs, avec toute humilité, il aurait pu passer sans qui que ce soit parce qu'il a un réservoir de voix qui est juste magnifique et je m'en réjouis. Maintenant, évidemment, que c'est dommage. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est rien contre Carlo, mais c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit une femme aux côtés de Mauro Poggia. Que ce soit moi, évidemment, ou Lisa, mais j'aurais préféré que ce soit une femme. Je trouve que ça aurait été quelque chose de symbolique pour Genève.